les années 30, en Chine, où on pensait que c'était des mecs et des femmes en blanc qui grimpaient dans les bambous, ce qui est archi faux. Donc en fait, j'avais une vieille photo que m'avait donnée Monsieur Chen, où on voit toute l'équipe de la Chinou, c'est-à-dire des grands, les combattants de Shanghai, de Tai Chi Chuan, etc. Et ils sont tous en tenue léopard, parce que tout simplement, ils voulaient copier Johnny Westmuller, qui était Tarzan, et qui était dans les films qu'ils voyaient eux aussi. Donc c'est venu de là. Ensuite, c'est venu à partir d'une petite blague avec François. Et donc lui qui méritait finalement d'être un léopard. Et donc ça s'était comme ça. Et depuis, souvent ça naît comme ça. Et tous les ans, on a décidé d'attribuer Léopard d'or à une personne de notre groupe, de la Grande Ourse en général, qui est. Avec des qualités particulières pour l'association et qui est un exemple pour les autres. De la Grande Ourse et des autres. Un gros, gros merci à Anita de nous supporter. Un merci à vous tous pour tous ces échanges. Voilà. Je vais du tout Merci.